Très bien, donc voilà pour ce troisième signe. On va refaire, laisse-moi un petit peu le rythme cardiaque. Du travail de ménage. Non. Quatre exercices. Très classique. Bien le jambes penches pour commencer. Soit sur les genoux, soit sur les points de pied, comme vous souhaitez. Pivoter sur le côté. Ensuite, pour le second exercice. Troisième exercice, l'autre côté. Et quatrième, on va solliciter un peu plus la région lombaire. La tête doit être posée au sol, les jambes vont. Oui, éventuellement, je n'ai pas le plus. On a les 4 exercices. On se met en place. On met le chrono. Allez, 3 secondes. Gainage de planche pour commencer. C'est parti. Je vais mettre une petite option à la hausse lors du second tour de ce cycle. Pour baisser un précédent des avant-bras dans le sol, poussez les avant-bras pour remonter votre muscle. Contractez les fessiers, la ceinture abdominale, poussez les talons à l'arrière. Vous pouvez rester quelques instants ou sinon commencer à vous placer sur un côté. Plusieurs options, hein. Si l'épaule est sensible, on les passe par un second. Si l'épaule est sensible, restez allongé sur ce côté et décollez les talons. Moins de sollicitation au niveau de l'épaule, si tout va bien. Le bassin est décollé. Le reste du corps est allongé, tendu. Allez, 5 secondes encore à revenir. On va essayer de maintenir quelques secondes avant de passer de l'autre côté. On va passer à sa bouche, change de côté, et on va se mettre à sa bouche. Allez, 2, 1, c'est parti. 20 secondes également à maintenir. Ici, cette position. La tête avancée de la ligne avec le corps, elle n'est pas tombante. Les épaules l'une au-dessus de l'autre, au-dessus du coude d'appui. Sentez ce travail au niveau de la taille, là, si vous avez le bassin décollé. De l'autre côté, ce sont les jambes qui sont décollées. Maintenant, on va faire quelques instants avant de basculer tranquillement. Profitez de ces 10 secondes pour se poser. Bassin au sol. Et on y va, 3 secondes. Ce sont les jambes qui décollent, si vous voulez bien, je vais également décoller le buste. Le regard reste toujours là sur le tapis. Allez, cherchez en ressentir une contraction au niveau des lombaires. Ça ne doit pas être lourd. Si c'est douloureux, je baisse un petit peu. Maintenez quelques instants, 5 secondes. Et vous prenez l'appui sur les avant-bras pour le premier exercice. Deuxième tour de ce nouveau cycle. Option à la hausse, vous commencez à mettre votre pied sur les côtés. Alternativement, sans bouger le bassin. Le bassin reste stable, fixe. Guidez. En début de vidéo, on a une chaise lors de la séance
et c'est maintenant. Elle est ici, pourquoi? Pourquoi cette chaise? Pour travailler l'arrière par les biceps. On vient de solliciter un petit peu les épaules sur le gainage, de se renforcer. Ici, vous pouvez démarrer assis sur votre chaise, les talons juste sous les genoux, avancez légèrement votre bassin et fléchissez les coudes pour ici descendre votre buste en direction du sol. Pas la peine de descendre les épaules plus basses que les coudes. Alors, reculez-vous à peu près à hauteur de coude. Ok, on alternera deux exercices, les dips sur la chaise et les pompes. Les pompes soit sur le genou, je suis gainé, les doigts des genoux juste au niveau, je progresse. La gâche thoracique, je cherche à fléchir les coudes. Si tout va bien, on appuie sur le point de pied, je fléchis et je remonte. On y va, le chrono, on commence sur la chaise. Allez, 3 secondes, on aura 10 secondes à chaque fois pour se mettre en place. C'est parti! Inspirez en descendant, soufflez en remontant. Le dos, il doit presque racler le bord de votre chaise. Attention à ne pas partir. Allez, on garde toujours cette petite d'intensité en utilisant toujours le geste. Le regard en mouvement, relâchez. 10 secondes pour se placer sur le tapis, 5 secondes. Et contractez un petit peu les bras, ça va peut-être chauffer. Hein. On y va, 20 secondes, c'est parti. Inspirez en descendant, soufflez en remontant. Je le rappelle sur les genoux éventuellement. C'est pas uniquement la tête hein, qui descend vers le tapis. Après c'est gay, on repasse tranquillement sur la chaise. On aura 4 fois le dips, 4 fois les ronds. On les passe parti, deuxième série. Inspirez en descendant, soufflez en remontant, c'est toujours la même chose. Tranquillement, de dérouler votre colonne,
et de France. On essaiera d'être encore un tout petit peu plus d'intensité pour ce dernier cycle. Ça va pour nous, les squats. Squat jump. Alors, deux options. Soit je monte simplement sur le pied, soit je cherche vraiment cette légère impulsion. Attention, la position, j'atterris sur pointe de pied et je pose les talons pour aller effectuer le squat. On aura également en fente des petits pulses. Des petits pulses. Ok, même chose de l'autre côté. Et le squat large avec la montée du genou. Alterné. Ça va pour vous? Dernier cycle. C'est maintenant qu'il faut aller chercher les dernières ressources énergétiques. C'est bon pour vous? 3 secondes, on y va. Le squat. Élévation de jump. C'est parti. 20 secondes, hein, toujours le même principe. Cette recherche de force. Intensité. En restant toujours concentré sur les bonnes postures. Le long de la spirée, la cage thoracique ouverte. J'amortis pas. Boum. Restez dessus. Toujours en douceur. Récupérez. Profitez des secondes. Pied droit devant, pied gauche arrière. Petit pulse sur les fentes. Ah, c'est parti. Poids du corps, un peu plus sur cette jambe avant. Premier tour, on commence par un tour du pulse. Second tour, on ira chercher un peu d'intensité. Allez, deux minutes, 5 secondes encore. Relâche. Relâchez. Prenez le temps de changer de jambe. On trouve de bons appuis. Toujours, hein. La colonne bien extendue sur la colonne. On est là. Petit plus. Ce genou, là, ici, il va chercher le sol. Sur le tout petit rebond. Cette cuisse avant, qui chute de plus en plus. À 5. Toujours, hein. Regardez. La cage thoracique ouverte. Relâchez. La suite, squat sumo, squat large, avec la montée alternée des genoux. C'est bon pour vous? C'est parti. Allez chercher également un léger engagement des épaules sur une rotation de muscle. Ah. N'oubliez pas de descendre sur votre squat. Ça reste un squat. Ça va ancré dans le sol. Je descends et je remonte de façon tonique, dynamique. Relâchez. Décontractez entre les jambes. Deuxième tour. Squat classique. Élévation ou squat jump. C'est parti. Donc, squat élévation. Sans impulsion. Ou sinon, squat jump. Le saut. Et on n'oublie pas le squat. On descend. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Relâchez. Pied droit devant, pied gauche arrière. 3 pulses. Et la montée du genou. C'est parti. 1, 2, 3, et le genou. 1, 2, 3, le genou. Ah. Allez, à votre rythme. Allez, à votre rythme. Vous avez 20 secondes. Relâchez. Relâchez les contractés. Changez de jambe. 3 pouces sur le genou. 3, 2, 1, et genou. 3, 2, 1, genou. Ha, ha, ha. 3, 2, 1, à l'étoile. Encore. Relâchez. La suite, une nouvelle fois. Squat large, squat sumo, et la montée de genou, 20 dernières secondes. 3, 2, 1, on y va. Allez, sur les 20 dernières secondes, avant le retour au calme. Lâchez rien. Hop. Restez toujours avec cette notion de gainage. Hop. 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 Et le squat, on n'oublie pas en descendant. Relâche. N'arrêtez pas d'un coup. Marche un petit peu sur place. Laissez le cardio redescendre. Tranquillement.